Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre l'animation du bouton s'abonner dans une vidéo. Au fait, c'est un de mes abonnés qui m'a contacté depuis le Burkina que de lui montrer comment mettre l'animation du bouton s'abonner dans une vidéo. Et j'ai jugé ceci important de le montrer à toute la famille. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons nous rendre sur KineMaster. Pour ceux qui n'ont pas KineMaster, c'est disponible sur Play Store. Vous allez sur Play Store et vous écrivez KineMaster. Donc, vous n'avez pas de soucis pour le téléchargement de KineMaster. Donc, voilà à quoi ressemble l'application KineMaster. Pour ceux qui ne savent pas comment faire une montage vidéo avec KineMaster, dites-le moi en commentaire. Et je vous ferai une vidéo spécialement pour le montage vidéo sur le KineMaster. Donc vous appuyez ici et là maintenant vous sélectionnez la dimension de votre vidéo. Moi je vais prendre le 16:9 car c'est la dimension qu'on utilise généralement sur YouTube. Et là maintenant vous allez sélectionner la vidéo sur laquelle vous voulez mettre l'animation du bouton s'abonner. Donc ici je vais prendre cette vidéo, je vais vous montrer un aperçu de la vidéo. Voilà, donc sur cette vidéo je vais mettre l'animation du bouton s'abonner tout de suite. Alors comment faire pour obtenir cette animation? Cette animation est disponible sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous écrivez animation du bouton s'abonner fond vert et là vous allez obtenir plusieurs résultats. Et vous allez chercher parmi les résultats la vidéo qui vous convient parce qu'il y a assez de vidéos sur le fond vert. Et si vous ne voulez pas perdre votre temps dans la recherche, je vais vous laisser le lien de l'une de mes vidéos sur le fond vert. J'ai fait une vidéo spécialement pour ça où j'ai mis uniquement que des animations du bouton s'abonner, la cloche de notification, le pouce bleu et autres animations. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur le calque ici parce que la vidéo du bouton s'abonner doit être superposée à la vidéo d'origine. Donc nous allons appuyer sur le calque ici et là maintenant vous allez appuyer sur média. Maintenant nous allons sélectionner notre vidéo, télécharger le fond vert que vous avez téléchargé. Vous sélectionnez votre fond vert. Voilà. Donc, je vais vous donner un aperçu de la vidéo. Voilà. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons supprimer la partie verte. Donc, tout ce qui est vert, nous allons supprimer ça. Donc, pour supprimer le fond vert, c'est très simple. Vous cliquez sur la vidéo fond vert. Lorsque vous cliquez sur la vidéo fond vert maintenant, vous allez glisser ici vers le bas. Et vous allez sélectionner l'option chromaqué. Lorsque vous sélectionnez l'option chromaqué, vous allez activer cette option. Activer. Et là maintenant, vous voyez, ça s'est supprimé directement. Parce que au fait, c'était déjà sur le fond vert ici. Donc, si par exemple, la vidéo que vous voulez extraire, le fond est autre couleur que vert. Si c'est par exemple la couleur jaune, vous appuyez ici. Et vous sélectionnez la couleur que vous voulez supprimer. Donc c'est un peu ça. Donc ici c'est la couleur verte. Donc nous allons prendre la couleur verte et nous allons continuer. Une fois que c'est supprimé, c'est fini. On va essayer de revoir la vidéo. Voilà. Très facilement que ça, voyez-vous. Donc c'est tout, c'est très simple. Et donc on va essayer d'amener ça vers le bas. Donc c'est très facile. Voyez-vous. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux qui ne savent pas comment faire une montage vidéo sur KineMaster, dites-le moi en commentaire. Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un pouce bleu. Et avant de continuer, vous allez enregistrer ça en appuyant ici.
et puis vous appuyez sur exporter. Avant d'appuyer sur exporter, vous pouvez augmenter la qualité de la vidéo ici. Nous allons augmenter la qualité jusqu'à la fin. Donc la qualité est élevée et vous appuyez sur exporter. Sauter. Et voilà, la vidéo est en train d'être exportée. Franchement, pour ceux qui ne savent pas comment faire les montages vidéo sur KineMaster, dites-le moi en commentaire parce que je ne sais pas trop si vous maîtrisez cette application. C'est pour cela que je ne vais pas trop entrer dans les détails. On va attendre la voir. Donc c'est fini, nous allons essayer de regarder ça. Dans la galerie. Voilà, c'est fait. Alors les gars, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.